Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo spéciale, même grande vidéo spéciale, parce que je pense qu'elle va être longue, même si je commence juste à l'enregistrer. Généralement quand ça part comme ça, je fais des vidéos beaucoup plus longues que je ne le pensais, mais je vais me fixer une vingtaine de minutes. Donc en gros, j'ai atteint les 15 000 abonnés il y a pas longtemps. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 15 164 et 3 384 543 vues. J'ai tout gardé, je l'étais pas pris par cœur, j'ai tout gardé. Donc en fait, je voulais juste, dans cette vidéo en fait, j'ai reçu la New 3DS Ambassador de Nintendo. Je vais vous faire l'unboxing, mais il y a aussi quelques petits trucs qu'il faut que je vous dise par rapport à la chaîne, par rapport à... bah c'est tout en fait. Ah si, par rapport aussi au Nintendo Direct, parce qu'il y a eu un Nintendo Direct donc il y a quelques temps, et je voulais vous dire après ce que j'ai pensé des jeux, etc. Mais on va commencer par ouvrir cette New 3DS Ambassador que j'ai reçu. En fait, c'est compliqué. J'aurais dû la recevoir mercredi dernier, mais ce qui s'est passé, c'est que ils sont venus chez moi, mais j'étais pas là, j'étais à l'école normal, et donc je leur ai demandé de me la relivrer à l'école. Mais comme moi j'habite à Chartres et que mon école est à Paris, bah en fait ils ont galéré, donc ils me l'ont livré avec. Enfin, le lendemain ils ont pas pu me la relivrer, le surlendemain non plus. Ils ont pas pu me livrer le lendemain, mais donc ils m'ont livré le surlendemain. Mais en fait, le gars, il est passé, parce que je l'ai fait livrer à mon école. Donc le gars, le livreur est passé à mon école parce que, par une coïncidence, il avait un colis à livrer à mon école. Mais vu que c'était pas l'adresse qui est marquée sur mon colis, en fait, il a livré un truc à l'école qui n'était pas mon colis. Et après, bah, tout simplement, il s'est barré. Donc j'ai dû rappeler, et il a dû repasser à l'école donc le soir pour me livrer mon colis. En tout cas, je suis bien content de l'avoir. Bon, je vais essayer d'ouvrir sans rayer le truc qu'il y a de l'autre côté. Enfin, qu'il y a en dessous. Ce serait cool. Ouais, non, c'est bon. Waouh. Ça a l'air magnifique. Attendez. Donc, c'est une offre que Nintendo a faite à certains de ses membres. En fait, ça a été... ils ont tiré au sort des membres. Enfin, ou tiré au sort, ou je sais pas pourquoi. Et ils leur ont envoyé un mail pour qu'ils puissent, justement, acheter une New Nintendo 3DS en avance. Alors, il faut que je la retire... Je vais essayer de pas la casser, mais enfin, elle tient tout juste dans le carton. Hein. ok, bon. Ouais, non, c'est bon. Je vais y arriver, mais je risque de tout péter. Non, en fait, voilà, c'est bon. D'ailleurs, il y a un truc marrant sur la boîte, c'est ça. Ici. Il y a le truc genre, attention, batterie au lithium, ne pas prendre en charge si endommagé. Enfin, ça fait vachement grave ce genre de truc, mais en fait, non, il n'y a rien. Alors voilà, donc c'est la New Nintendo 3DS édition ambassadeur. Enfin, en fait, ils marquent ambassadeur partout, mais ce serait plutôt une New Nintendo 3DS ambassadrice. Enfin, j'en sais rien en fait. Ça dépend si c'est une Nintendo 3DS ou un Nintendo 3DS. Je pense que c'est une, mais bon. Donc il y a la petite mention euro là-haut, parce qu'il y a pas mal, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont pu acheter des New Nintendo 3DS en avance en fait. Parce qu'à Paris, il y en a qui étaient vendus, parce qu'en fait, la Nintendo 3DS est sortie en Australie en même temps qu'aux États-Unis. Et en Australie, c'est la même zone que chez nous. Ce qui fait que si on achète une console ou des jeux en Australie, ils peuvent marcher chez nous, sans aucun problème. On peut les lire, c'est la même zone. Donc des gens ont acheté une Nintendo 3DS d'un port australienne. Mais là, c'est bien une européenne avec la mention européenne. Donc c'est une édition vraiment limitée, hein. Vous ne pourrez pas en retrouver. Je pense que si vous essayez sur eBay, vous pouvez en trouver, mais je crois que bon... Les prix doivent un peu s'envoler. Alors, une petite languette. Par contre, la boîte est toute clean. C'est normal, hein, elle est neuve. Et il va y avoir plusieurs choses dedans, hein, pas juste une Nintendo 3DS. Waouh! Alors là... Donc, on pose le carton. Et à l'intérieur... Voilà, donc il y a pas mal de trucs, je vais vous les montrer de plus près, mais en gros en fait, la 3DS tient dans une toute petite boîte, c'est cela, donc elle tient dans une toute petite boîte en fait, c'est depuis la XL, hein. Elles tiennent dans des petites boîtes les 3DS maintenant, donc alors ça, c'est Nintendo, c'est, bon je crois, je sais pas dans quel sens ça doit se lire, mais ça, celui du milieu, je sais, je le reconnais, c'est le ciel, donc c'est Ten. Parce qu'en chinois c'est Tian, et en japonais, en chinois il y a...
Bon, je vais pas vous faire un cours de japonais, mais la plupart des... Enfin, la moitié des... Enfin, non, pas la moitié, mais les caractères japonais peuvent se prononcer à la chinoise. Donc, Ten, Tian, c'est la même chose avec un accent japonais, quoi. Bref. Et donc, c'est Nintendo, mais je sais pas dans quel sens. Je pense que ça doit être... Si c'est à la japonaise, c'est peut-être Nintendo. Je sais pas. À vérifier. Mais, ouais, belle boîte, hein, avec donc une présentation succincte de la console. Sans rien de plus. Ah, voilà. C'est ça. Donc, en gros, non, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est Nin... Enfin, là, attendez. C'est Nintendo, parce que c'est marqué en haut, en fait. En japonais, Nintendo, c'est écrit, donc, Nintendo. C'est une traduction... voilà, bon, une traduction, donc c'est... Croyez, enfin, en trust, ça doit être croire en le ciel, enfin, croyez en le ciel, un truc comme ça, il faut croire en le ciel, bref, et compagnie, bon, l'entreprise, quoi, un truc comme ça. Donc, c'est ça que Nintendo veut dire en japonais, hein, il semblerait. Donc, je vais l'ouvrir avant de regarder le reste. Ça va être la cinquième 3DS que j'ai. Bon, ce ne sera que la deuxième, enfin, la troisième collector. Oh. Ah, j'avais oublié ça d'ailleurs. Donc la 3DS arrive avec un guide de démarrage rapide. Bon, ça, je crois que c'était déjà dans les 3DS à l'origine, mais il est énorme en plus, super épais le truc. Puis toujours les petites cartes, hein, NFC, elles sont toujours livrées avec. Je crois que personne s'en sert en fait. Mais bon, c'est toujours sympa, j'avais oublié leur existence en plus. Et alors, la console. Oh ! Ça, c'est pas la console. Ça, c'est peut-être la coque. Justement, parce que les coques sont interchangeables sur la console, donc ça doit être ça. On va voir. Alors, non, il n'y a rien de plus, enfin, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est bien ça. Donc voilà, pourquoi l'une des coques n'est pas mise? Ok, donc voilà, la 3DS, bon, je vais retirer quand même toutes les coques. Enfin, la seconde coque, comme ça, ensuite, on les remettra... si j'arrive à... Non, ça se retire pas, cette coque-là. Bah, si. Si, ça se retire, cette coque. Je vais la casser alors que je viens de la voir. Non, elle se retire. J'ai failli, mais bon. Si j'y arrive... Non, en fait, ça doit... Voilà, ça se prend par là. Parce qu'en fait, je vous la montrer vierge pour ensuite mettre les coques, et ensuite, vous voyez la différence, mais... J'y arrive pas. Y a pas un outil pour retirer? Non. Ah, faut mettre les deux doigts peut-être. Peut-être. Non, en fait, non, mais c'est parce que c'est vissé. Ok, elle se dévisse la coque. En fait, c'est peut-être tout simplement ça, parce qu'il y a des vis. Bon, j'ai failli la casser. On va pas aller plus loin, je pense que ça doit se déclipser. Mais alors, la voilà. Donc ici, y a du vide en fait, parce que c'est ici qu'on met la coque. Donc, je vais vous la montrer avec la coque. Ensuite, je vous montrerai la 3DS entière, hein. Donc, la coque ambassadeur, j'en sais rien. La coque de l'ambassadeur, voilà, ça va mieux. Parce que je suis un ambassadeur Nintendo pour la deuxième fois, vu que pour la 3DS, je l'avais acheté dans les premiers, donc on a un petit certificat ambassadeur sur la console, ce qui sert strictement à rien, mais que j'ai toujours. Bon, par contre, j'arrive pas à clipser correctement. C'est quoi ces trucs? Bon, j'espère quand même que je vais pas la casser. Ah, en fait, non. Ah, c'est parce que les deux doivent se clipser en même temps, mais comme moi, j'ai fait n'importe quoi. Et voilà. Donc, ouais, bon, ça fait un peu gadget. Enfin, c'est juste un truc, un cover plastique, quoi. Mais elle est super légère. En moins, elle est super légère. Et alors, si je le montre à l'envers. Donc voilà, Nintendo, écrit en japonais. Et en dessous, bah, Nintendo. Écrit, bon, je vais pas dire que c'est en français, mais bon, avec notre alphabet, quoi. Et donc la 3DS ouverte, hein, ça ne change pas, hein. Enfin, ouais, voilà, Nintendo, et en plus c'est brillant, c'est argenté brillant, c'est la classe. Et à l'intérieur, donc la 3DS XL, non, la 3DS, la New 3DS, normale. Alors, le stick, le petit stick en fait qui est juste là, il est à première vue, il est super pas maniable, je sais pas comment ça va marcher, mais il est extrêmement pas maniable, c'est un truc de dingue. Enfin, je comprends pas. En fait, peut-être qu'il a une sensibilité extrêmement faible, mais j'ai l'impression de rien faire dessus.
Bref, c'est pas grave, sinon le reste c'est pareil, hein, les boutons sont exactement les mêmes, sauf le home. Non, enfin, le home il était déjà là, mais maintenant il est mieux parce que c'est un vrai bouton. Enfin, ça l'était aussi sur la 3DS XL, mais je fais comparer à la première 3DS. Et par contre, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de bouton pause. Ah si, start et select, ils sont sur le côté. Ça rappelle simplement la première DS. Enfin, les premières DS. Le reste ne change pas, hein, si ce n'est la nouveauté, les deux gâchettes, enfin les quatre gâchettes donc, parce que maintenant il y a L, R, ZL et ZL, ou alors j'ai montré l'inverse, R, ZR, L, ZL. Voilà. Donc franchement cette 3DS, vraiment pas mal, elle est super légère, et il paraît en plus que, enfin elle est un peu plus grosse que la 3DS normale, mais beaucoup moins que la XL forcément. Mais je suis vraiment content parce que j'allais à un moment ou un autre l'acheter, mais j'attendais une occasion comme celle-là pour en acheter une collector ou une parce que enfin voilà, on sait pas encore quels jeux exclusifs vont sortir dessus, mais je pense que ça va pas tarder. J'espère qu'il y en aura quand même pas trop parce que bon, faut quand même pas non plus oublier les joueurs qui n'ont pas encore de qui restent sur leur première 3DS. Et les boutons, d'ailleurs, X, Y, A et B, sont de la même couleur que les boutons de la manette Super Nintendo. Je suis pas un grand fan de la Super Nintendo, mais je trouve que ça va, hein, ça fait un petit peu de couleur sur une console toute blanche, parce qu'il me semble que la New 3DS n'est qu'en blanche. Enfin, la New 3DS normale. Je sais que la XL, elle a des coloris, mais la New 3DS normale n'est qu'en blanche. D'ailleurs, si vous voulez vous acheter une New 3DS, sachez que seule la New 3DS normale peut changer les coques. Enfin, on peut changer les coques que la New 3DS normale. Pour la New 3DS XL, on ne peut pas. Elle arrive avec des coques déjà soudées dedans. Nintendo m'a aussi offert avec des plaques Super Smash Bros, qui sont aussi très jolies. Ce sont des plaques collector, normalement elles seront pas disponibles à la vente. Donc bon, c'est avec les personnages de Super Smash Bros en argenté sur blanc. C'est plutôt cool. Et Nintendo a aussi offert une station de recharge, un peu comme pour la Wii U, enfin pour le gamepad de la Wii U. La 3DS doit se mettre de cette façon dessus pour recharger. Par contre, il y a un truc que... Oh non, regardez. Là. Je viens de la sortir de sa boîte. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Bon, ça, c'est un peu... Bon, c'est les aléas, hein. C'est la même chose de l'autre côté, en moins grave. Bon, c'est un peu dommage, ça, par contre. Franchement, je suis un peu dégoûté, hein. Enfin, en plus, vous avez la preuve, hein. J'ai ouvert le truc en direct. Enfin, sur la vidéo, et j'y ai pas touché. Et bah, c'est à moitié cassé. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je ne pense pas la revendre. Donc voilà, ce petit dock de recharge. Il y a un truc quand même qui est dommage, c'est que la console n'arrive pas avec un chargeur. Donc c'est courant, hein, les 3DS maintenant arrivent sont vendus sans chargeur, mais comme c'est une collector, je pense que Nintendo aurait pu faire un effort. Mais bon, c'est pas grave, on va pas trop s'en plaindre, vu que c'est quand même une opportunité assez cool, donc non, on va pas s'en plaindre. Alors, je pense que j'ai fait le tour de cette 3DS, de cette New 3DS. Je vais quand même vous expliquer quelques petites choses pour éviter que, parce que je vous vois venir avec vos questions dans les commentaires. Donc je vais prendre l'initiative avant. En fait, par où commencer? Oui. Alors, les jeux 3DS, donc 3DS, 3DS XL, marchent sur New 3DS, tous, sans exception. C'est première chose. Sauf que les jeux New 3DS ne marcheront pas tous sur 3DS normal. Mais attention, pour le moment, il n'y a qu'une seule exclusivité, c'est Xenoblade. Donc Xenoblade qui va sortir, là, sur 3DS, est la seule exclusivité New 3DS. Tous les autres jeux, pour l'instant, annoncés, et à venir, jusqu'à au moins l'E3, seront dispo sur
l'ancienne 3DS et la New 3DS. Qu'est-ce que ça change de jouer sur New 3DS? Alors, déjà, les nouveaux boutons. Donc les nouveaux boutons, tout simplement, ça permet une maniabilité différente. Par exemple, si vous jouez à Monster Hunter, vous avez peut-être remarqué, surtout si vous jouiez sur les consoles de salon auparavant, que c'est quand même pas pratique de jouer avec un seul stick pour bouger la caméra, etc. Donc maintenant, vous pouvez vous servir du deuxième stick pour bouger, ce qui va permettre un peu plus de confort pour certains jeux, même si c'est pas indispensable. Les gâchettes, pour le moment, je sais pas trop à quoi ça va servir. Il paraît que Majora's Mask en tiendra compte. On pourrait y jouer donc sur la 3DS normale, hein, vous en faites pas. Mais sur la New 3DS, apparemment, les gâchettes et le stick secondaire seront prises en compte. Et il y a aussi une autre différence par rapport à la 3DS normale, une différence majeure, c'est qu'elle lit les amiibo de base. Il suffit de poser un amiibo ici, et l'amiibo est lu dans les jeux de la 3DS. Donc dans, par exemple, Super Smash Bros. 3DS, les amiibo seront compatibles avec. Par contre, ce ne sera pas le cas sur 3DS, mais si vous avez une vieille 3DS, ne vous en faites pas. Nintendo a prévu de sortir un adaptateur qui coûtera, je pense, peut-être 20 ou 30 euros, qui permettra de lire les amiibo sur les anciennes 3DS. Donc vous n'êtes pas non plus abandonné. Cet adaptateur sort cet été au Japon. Il n'a pas encore été confirmé chez nous, mais je pense qu'il sortira. Et de toute façon, c'est un périphérique. Les périphériques ne sont pas zonés, donc vous pourrez même l'acheter en import, je pense. Et une autre chose, le CPU de la console a été amélioré, donc la console est beaucoup plus rapide. Ce qui fait que, bah, concrètement Xenoblade, il ne tournerait pas sur 3DS normal, mais il tournera sur la XL. Super Smash Bros. Aussi, les chargements sont beaucoup, beaucoup plus courts, et les menus, l'accès à l'eShop, à Miiverse et tout sont maintenant devenus extrêmement rapides. Ce qui est vraiment, vraiment cool. Donc, on a fait le tour pour cette 3DS. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous y répondrai. Mais alors, il est temps maintenant de parler de quelques petites choses. Déjà, je vais faire un point sur ma chaîne, parce que bon, 15 000 abonnés, ça arrive quand même pas tout le temps. Enfin, ça arrive qu'une seule fois, normalement. Et je vous souhaite d'ailleurs que ça vous arrive aussi à vous, si vous avez une chaîne YouTube. Mais donc, ça arrive. Moi, quand j'ai commencé YouTube, je ne pensais absolument pas que ça m'arriverait. Je veux dire, quand j'ai commencé, moi, je me disais que si un jour j'atteindrais les 1000 abonnés, ça serait déjà un truc énorme. Donc franchement, merci, vous êtes des abonnés super, en plus j'ai une communauté géniale. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me suivre sur Twitter. Bon, vous êtes 15 000 sur ma chaîne YouTube et vous êtes 1300 sur Twitter, donc il y a 15 sur 10 d'entre vous qui est sur Twitter. Je rappelle d'ailleurs que mon Twitter c'est Kirbendo, hein, K-I-R-B-O-N-D-O. Et donc, je m'embrouille. Mais les commentaires sur YouTube, je les lis, mais j'ai de plus en plus de mal à y répondre parce qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, hein, surtout depuis la question du jour, mais je les lis, ne vous en faites pas. Mais sur Twitter, par contre, vu que je suis tout le temps sur mon portable sur Twitter, j'ai beaucoup plus de facilité à voir vos messages. Et j'essaye de participer beaucoup avec ma communauté parce que vous êtes vraiment une communauté super. Donc franchement, je vous adore. Et donc c'est pour ça qu'un maximum sur Twitter, j'essaye de vous répondre. Bon, peut-être que le jour où j'aurai 3000 abonnés, je pourrai pas le faire. Mais pour le moment, je le fais. J'essaye de répondre au maximum d'entre vous. Surtout quand vous écrivez des tweets qui sont bien écrits. Enfin, je veux dire en français compréhensif. Voilà, je parle de bon français. Je n'utilise même pas le mien. Mais bon, les gens qui font du bon français et qui posent des questions pertinentes, il n'y a jamais de raison que je ne leur réponde pas. Les seules personnes que j'ignore, c'est soit les gens qui écrivent vraiment mal, ou qui posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu, ou des questions pas pertinentes, ou alors, tout simplement, quand je ne suis pas là. Forcément, quand je ne suis pas là, je ne peux pas répondre. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter, hein, et à continuer à me suivre sur YouTube. C'est vraiment super, ce que vous faites. Et vous appréciez aussi beaucoup alors ce que je fais, et je suis vraiment content, parce que moi je suis très critique sur mon travail. Quand je vois mes vidéos, quand je les re-regarde, moi maintenant, depuis Captain Toad, je suis un peu plus satisfait, mais avant, à chaque fois, je me disais, c'est vraiment nul ce que je fais, je comprends pas, mais bon, en fait, depuis Captain Toad, je trouve que quand même, il y a des épisodes que je fais, je veux pas être prétentieux, mais il y a des épisodes que je fais que, même moi, je peux regarder, alors que quand même, par rapport à ce que je fais, je suis le public qui est le plus difficile à satisfaire. Et de temps en temps, je suis pas fou, mais je suis à peu près satisfait.
Donc ça veut dire que je suis quand même sur la bonne voie, parce que si je suis satisfait par rapport à ce que je fais, ça me permet aux épisodes suivants d'être encore plus confiant. Et c'est peut-être pour ça, dans les premières vidéos que je faisais sur ma chaîne, j'étais pas tout le temps confiant, parce que justement, comme j'étais persuadé que les épisodes que j'avais fait avant étaient nuls, et ben j'étais pas confiant, et donc je n'y mettais pas vraiment du mien. Mais maintenant, comme de plus en plus j'ai l'impression de faire bien les choses, et ben ça me pousse à essayer justement d'avoir une attitude encore plus positive. Mais c'est en grande partie aussi grâce à vous et vos retours. Si vous n'étiez pas là, je ne ferais bien entendu pas tout ça. Alors, donc, j'ai commencé YouTube le 21 mai 2013, ce qui fait que j'ai pas envie de compter les mois, mais ça fait bientôt 2 ans, enfin plutôt 1 an et demi. Donc 15 000 abonnés en 1 an et demi, et d'ailleurs j'ai regardé sur ma chaîne pour la FAQ que j'avais faite pour mes 5 000 abonnés, d'ailleurs si vous voulez des réponses à mes questions, enfin si vous avez des questions sur moi, allez regarder cette FAQ parce que je vais pas en refaire avant certainement quelques temps. Et donc ma FAQ 5 000 abonnés en 2 parties qui fait 2 heures en plus, je l'ai fait le 21 mai 2014, donc je l'ai fait vraiment 1 an après le début de ma chaîne. Et donc cette FAQ c'était pour célébrer les 5 000 abonnés. Et là, ça doit faire quoi? Mai, donc mars, avril, mai, juin. Attendez. Non, mai. Je compte mal. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Donc en 1 an, enfin en 8 mois, j'ai triplé mon nombre d'abonnés. Ce qui est énorme. C'est surtout grâce à Tomodachi Life, Wii Party You, Captain Todd, etc. Enfin, Wii Party You, c'est plus ancien, mais ouais. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Et j'espère que ça va continuer comme ça, peut-être même qu'à la fin de l'année on arrivera aux 30 000, je sais pas, ou peut-être plus, je sais pas, faites vos pronostics. Moi je pense qu'on peut arriver aux 30 000 avant la fin de l'année. J'ai pas envie de trop m'avancer, mais je pense que 30 000 en fin décembre 2015, ça me paraît bien viable. Donc voilà, attendez, je ferme mes... parce que j'avais écrit des trucs justement à vous dire, enfin j'avais plutôt fait des captures d'écran de trucs pour vous montrer, enfin pour en discuter. Donc Capitaine Todd aussi, alors ce let's play, je pense que vous avez été énormément à l'apprécier. Ce let's play est sorti, le premier épisode est sorti le 19 décembre, donc ça fait quand même aujourd'hui moins d'un mois, presque un mois, et il y a eu 20 000 vues, plus de 20 000 vues, et en plus de ça 427 j'aime, et enfin ou pouces bleus. Et c'est incroyable. Je crois que c'est la vidéo sur ma chaîne qui a le plus de j'aime. C'est dingue. 427 j'aime. Jamais j'aurais cru qu'une de mes vidéos fasse ça. Franchement, je remercie à toutes les personnes qui ont suivi, qui ont vu cette vidéo, qui ont suivi le let's play, qui le suivent encore, parce qu'il n'est pas encore fini. C'est vraiment l'un des jeux que j'ai préféré sur Wii U. Et même si mon jeu préféré sur Wii U, c'est Super Mario 3D World, Captain Todd, j'ai adoré le faire en let's play, et je crois que c'est le jeu que j'ai préféré le faire en let's play. Super Mario 3D World, j'ai adoré le jeu, mais je pense que à l'époque j'étais pas suffisamment confiant. Donc à l'époque où je l'ai fait, parce que c'était quand même il y a plus d'un an, et ben j'aurais été plus à l'aise, j'aurais préféré le faire moi-même de mon côté sans faire de vidéo. Mais donc si Nintendo ressort un Super Mario sur 3DS ou Wii U, vous pouvez être sûr que ça va être, enfin là je vais être dingue, encore plus que Captain Todd. Donc franchement, vraiment, merci à tous pour les retours que vous me faites sur Captain Todd. Je suis vraiment content. Je m'y attendais vraiment pas, parce que pour moi, c'était un petit jeu de la console, quoi. Rien de dingue, mais... Donc ça me prouve quand même qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui me suivent, pas forcément pour les jeux que je fais, mais pour moi, pour mon attitude. Et parce que à une époque quand même, je pense que beaucoup de gens, et même aujourd'hui encore, me suivent, parce que comme je fais des jeux qui viennent de sortir, il y a des gens qui me suivent, je vous le reproche pas du tout, hein, mais il y a des gens qui me suivent parce que bon, comme ça vous suivez une enfin vous pouvez vous faire un avis sur le jeu juste avant sa sortie. Et donc voilà, c'est pas forcément parce que c'est moi qui le fais, ça pourrait être Monsieur Lambda, vous suivriez ces vidéos. Mais donc de plus en plus, vous avez l'air d'être là pour suivre mes vidéos par rapport à moi, et pas que par rapport à mes jeux. Et d'ailleurs, c'est bien ce que je vois par rapport à Super Mario Sunshine, parce que Super Mario Sunshine, bon, vous êtes moins que pour Captain Todd, mais vous êtes quand même pas mal. Et donc ça montre, ça me prouve quand même que ma chaîne n'a pas à se cantonner à des jeux récents, et je peux faire des jeux qui me plaisent, même plus vieux, et avoir un public derrière pour réagir. Donc merci beaucoup.
Et avec ça aussi, je voulais juste faire un petit point là pour vous dire donc janvier 2015, les 5 vidéos les plus vues de ma chaîne, c'est Oui Party You épisode 1 qui a 80 000 vues. Ensuite, c'est Tomodachi Life épisode 1 qui en a 52 000. Ensuite, Oui Party You l'épisode 2 qui stallonne toujours avec l'épisode 3 en plus, qui en a 40 160. Et le 3, enfin ensuite l'épisode 3, qui en a 40 100. Et en cinquième, c'est le premier épisode de Kirby Triple Deluxe, avec 36 000 vues. Alors, incroyable, je suis un grand fan de Mario, j'ai commencé ma chaîne avec du Mario, je pense que la moitié des vidéos sur ma chaîne sont du Mario, et pourtant il n'y a aucun Mario dans le top. Alors c'est bizarre, peut-être que Capitaine Toad va y arriver, parce que vu la montée qu'il a, c'est possible que le mois prochain ou dans 2 mois il dépasse Kirby Triple Deluxe. Mais d'ailleurs je remarque aussi qu'aucune de vidéo sur ma chaîne n'a dépassé les 100 000 vues. Oui Party You épisode 1 s'en rapproche, c'est un peu ralenti, mais c'est l'un des épisodes qui est toujours le plus vu chaque mois sur ma chaîne, vous êtes beaucoup à regarder Oui Party You, je sais pas vraiment pourquoi, mais enfin, c'était parce que c'est une vidéo multi, elle est sympa, moi aussi je l'ai regardé, il y a des trucs marrants, mais bon, enfin ça reste Oui Party You, c'est pas un jeu dingue, même s'il était cool. Mais donc je pense justement qu'on va refaire des vidéos, pas Oui Party You, hein, mais sûrement Mario Party 10 avec Red Aramer et Akuliki. Voilà, donc c'en est tout pour le point sur ma chaîne, comme ça dans un an vous pourrez regarder à nouveau cette vidéo et vous dire tout simplement « Ah, à l'époque c'est ça les 5 vidéos les plus vues de sa chaîne, il y avait tant de vues, etc. etc. » Mais je comptais quand même vous parler un peu de... Enfin, ça fait déjà 25 minutes, hein, mais je voulais vous parler un peu de Nintendo Direct qu'il y a eu il y a pas longtemps. Je vais pas vraiment vous dire mon avis sur tout ce qui s'est passé, on n'a pas le temps, mais je vais surtout vous signifier, en fait, enfin vous dire ce que ça veut dire pour la chaîne, quel jeu je vais faire sur la chaîne. Donc, je vais faire le mois prochain, par contre j'ai plus les dates, mais je vais faire Majora's Mask 3D. Ça c'est sûr. J'aime bien Zelda. C'est pas ma licence préférée, mais j'aime bien Zelda. Donc je vais le faire. Surtout que je l'ai jamais fait en entier ce jeu. Je l'aimais pas trop justement à cause de difficultés. Enfin, le système me plaisait pas. Mais là, il a un peu changé apparemment. Donc on fera ça. Majora's Mask 3D. C'est 13 février, je crois. Il y a un autre jeu qui sort ce jour-là, mais je sais plus lequel. Mais je ne sais plus. En plus, je les avais notés, mais j'ai plus le truc. Donc c'est pas grave. En tout cas, dans ces eaux-là, il va aussi sortir... Enfin, sur ma chaîne, je vais aussi faire le let's play de Mario Party 10, en multi. Je vais faire le let's play de Splatoon, quand il sortira. Je vais faire le let's play de Codename Steam, bien entendu. C'est le prochain jeu de Miyamoto, donc je vais le faire. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne savez pas ce que c'est que ce jeu, c'est pas grave, vous verrez ça... Bah, je crois qu'il sort en mai. Donc j'ai dit Splatoon. Ah oui, Mario versus Donkey Kong. Qui va sortir sur Wii U et 3DS, je vais le faire. D'ailleurs, je pense instaurer un petit truc pour Mario Maker, qu'on va peut-être commencer avec Mario vs Donkey, on verra. Enfin, c'est un concept que j'ai pour Mario Maker, qui serait en fait tout simplement de... Parce que j'ai pas envie, quand même, Mario Maker, de vous faire... Je le remets en place, parce que ça me stresse qu'il soit pas dans... Bon, c'est pas grave. Mais en fait, Mario Maker, ça va être un logiciel qui permettra de faire ces niveaux Mario. Et j'ai pas envie de faire des vidéos, enfin des niveaux en vidéo avec vous, parce que si je le fais, ça aura pas d'intérêt, parce que si après vous voulez jouer sur mes niveaux alors que vous m'avez vu les faire, bah vous saurez absolument tout, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais donc je pense que ce que je vais faire, c'est que on va faire une série hebdomadaire ou doublement hebdomadaire, je sais pas, donc il y aura un épisode par semaine ou un épisode toutes les 2 semaines, où en gros je vais poster sur Twitter une annonce en disant voilà, donc envoyez-moi vos niveaux. Et je vais les tirer au sort, et ensuite je vais faire une vidéo, donc je parle à vous les abonnés, donc je vais sur Twitter, vous m'enverrez vos niveaux, ou la référence de vos niveaux, je sais pas comment ça va se passer, on n'a pas encore le jeu. Et donc voilà, et ensuite parmi ces niveaux, je vais en tirer au sort 3 ou 4, je sais pas, on verra, ou peut-être 5, je sais pas, ça dépendra. Et ensuite, dans une vidéo, je vais essayer de faire vos niveaux. Et donc je vais faire vos niveaux en vidéo, et comme ça je sortirai ça toutes les 2 semaines, donc ça pourrait être sympa, mais donc à ce moment je pourrais pas prendre vos niveaux par commentaire YouTube, hein, bien entendu, ça va être vraiment galère, mais je ferai ça sur Twitter, comme ça en plus je pourrais discuter et tout, vous pourrez me les présenter en quelques lignes, etc. Donc, enfin en quelques caractères plutôt. Donc je ferai ça sur Twitter, mais on verra ça, c'est pas tout de suite, c'est quand je sortira. Et pour l'instant il n'y a pas de date de sortie. Et pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que moi je vais certainement faire des niveaux de mon côté,
pas en vidéo, hein, je vais créer des niveaux, et ensuite ces niveaux je vais les mettre à votre disposition, et je pense instaurer un petit truc où justement vous, youtubeurs, donc je m'adresse à mes abonnés qui font des vidéos sur YouTube, je vous mettrai au défi, bon ce sera pas forcément des niveaux très difficiles, hein, y aura de tout, mais je vous demanderai justement de vous filmer, de vous enregistrer, en train de faire mes niveaux, de m'envoyer de mettre ces vidéos-là sur votre chaîne, en non répertorié ou en public, comme vous voulez, et ensuite vous m'enverrez le lien, et moi après je ferai une petite compilation que je sortirai peut-être justement une semaine. Donc il y aura la semaine où je ferai vos niveaux, et la semaine suivante je ferai une vidéo de mes niveaux auxquels vous aurez joué. Je pense que ça peut être un concept pas mal, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous invite à vous manifester donc dans les commentaires YouTube ou sur Twitter pour me dire ce que vous pensez de cette idée, mais si ça vous plaît, je pense qu'on fera ça. Voilà. Et donc dernier point aussi par rapport aux amiibo, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si je vais prendre les amiibo Super Mario Bros. Je vais les prendre, je ferai des unboxings et je les comparerai aux amiibo Smash Bros. Voilà. Donc je suis désolé de vraiment, enfin là c'était un peu speed la fin de cette vidéo, mais je pense qu'on a vu la plupart des choses que j'avais à vous dire. Il y a toujours des choses que j'oublie, hein, forcément, ça c'est tout moi. Mais en tout cas c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos donc je pourrai vous en parler à l'avenir. D'ailleurs je remarque quand même que là il y a un trou, mais enfin il y a pas de cache. Ça j'aime pas, ça fait comme sur Mac et ça s'abîme facilement. Et d'ailleurs le stylet est en bas ici. Voilà, bon, juste un dernier point sur le 3DS parce que je venais d'y penser. Donc, on va en rester là pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi, merci à tous d'être là. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, vraiment, si elle vous a plu, et de dire en commentaire tout ce que vous pensez des différentes suggestions que j'ai pu faire. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt pour la suite du Super Mario Sunshine de Capitaine Toad. Et le mois prochain, il y a de nouveaux Let's Play qui débarquent sur la chaîne. Donc voilà, merci à tous, franchement je vous adore, je vous aime même, je peux le dire, et donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne, voilà, salut.